Nous sommes le 10 juin 2021 et je suis en présence de Stéphane de Bourgy, célèbre photographe. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Dominique. Alors, je vais très bien, merci. Nous sommes là pour un événement assez particulier. C'est le vernissage de ta dernière exposition photo qui s'appelle Les Jardins Secrets. Alors, dis-nous-en quelques mots. Alors, surtout à préciser, nous sommes au Chac qui est partenaire de l'événement. Oui, le Chac est un lieu sublime, mais ça, je te laisse t'y promener et montrer un petit peu. C'est vraiment un lieu extraordinaire que je suis ravi d'habiller. On m'a proposé d'habiller ce lieu pour 3 mois et j'en suis ravi. Donc, les Jardins Secrets, qu'est-ce que c'est ? En fait, les gens connaissent depuis un certain temps mon travail de portrait. Donc là, il y en a quelques-uns quand même. Alors, voilà. On a eu une petite collaboration il y a quelques mois pour le numéro spécial Luxe et Philanthropie avec Stéphane de Bourgy, où il a sublimé un certain Oraito. Petite parenthèse fermée. Voilà, il n'est pas impossible qu'on en ait d'autres d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Et donc les gens connaissent plus mes portraits, et là j'ai eu envie de faire découvrir des fleurs et des nus, qui sont en fait des portraits de corps de femmes et des portraits de fleurs. Certaines ont été faites il y a très longtemps parce que j'ai déjà travaillé dessus il y a 20 ans, 15 ans. J'ai laissé tomber un peu ça pendant quelques années et là je m'y suis remis depuis 2 ans. Donc il y a un mélange de photos très récentes et anciennes mais que les gens n'ont pas franchement vu encore. Voilà. J'imagine pendant le confinement tu as eu un petit peu de temps et c'est là où tu t'es remis à retrouver des vieux clichés et tu dis tiens, pourquoi pas ? C'est là où je me suis mis à travailler sur des nouveaux clichés, en fait. Les vieux clichés, ils existent, ils sont dans ma tête depuis longtemps, donc je n'ai pas eu vraiment à les rechercher. Je les aime toujours, mais j'ai surtout travaillé sur des nouvelles images. Ouais. J'ai fait plein de séances avec des filles pour avoir des nus, et j'ai rapporté des fleurs de mon jardin, ou alors j'allais chez le fleuriste à côté de chez moi, j'observe les fleurs et j'essaye de qu'elles me parlent, en fait. Les femmes, les fleurs, toutes les deux, des beautés ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de similitudes entre les fleurs et les corps de femmes. Et alors, je crois qu'à ce titre, pour ce vernissage, tu as conçu un coffret ? Oui, alors il y a en fait 4 coffrets. Voilà, et ce sont des coffrets dans lesquels il y a 10 tirages format A4. Qui sont plus accessibles en prix que les tirages. Donc voilà, on peut acheter soit un coffret qui regroupe 10 photos de fleurs, soit choisir un coffret 10 photos de nus, soit un coffret 10 photos people, soit 10 photos de chefs, parce que, comme tu sais, je photographie pas mal de chefs. Voilà. Et pour les indécis, il y a un cinquième coffret qui est le coffret mixte, où on peut avoir un petit panel de tout. Voilà. Et alors, on peut le trouver où, ce coffret ? Ici. Il est en vente. Au Chac. Voilà, au Chac. Exclusivement au Chac ? Oui, sur le site du Chac, absolument. En ce moment, c'est exclusivement au Chac. Et on peut le commander sur le site du Chac ou venir prendre un verre, déjeuner, se promener et l'acheter ici. Il est en vente physiquement et en ligne. Voilà. Bon, super. Collaboration, le Chac, Stéphane de Bourgy. Parfait. Et donc ce soir, tu attends un parterre de personnalités que tu as déjà mis sous l'objectif ? Oui, y a beaucoup de gens que j'ai photographiés, beaucoup d'amis, beaucoup de clients, mais comme je dis toujours, mes clients deviennent mes amis et mes amis sont parfois mes clients. Donc je ne fais pas grande différence. Oui, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Voilà. Merci. C'est connu, mais voilà, tout le monde sont que des gens. Un beau mélange éclectique. Absolument. Comme dans tes photos. Ouais, il faut. Merci Stéphane de Bourgy et bonne soirée. Merci Dominique. Merci à vous. À très bientôt.